Ce sont au total 563 concours qui sont ouverts, dont 404 sur table et 158 sur étude de dossier. Environ 122 000 candidatures ont été reçues pour cette session. Aucun détail n'a été négligé pour le bon déroulement de ces compositions. Dans le dispositif de concours, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Le tout, c'est de mettre les candidats dans les meilleures conditions possibles. Et autour de l'organisation de concours, nous avons effectivement un aspect médical qui est donc pris en charge par ce que nous appelons le pôle médical, qui est constitué de médecins, d'infirmiers, et qui est là pour éventuellement parer au plus pressé lorsque un cas de malaise pourrait se présenter. À côté de cela, nous avons effectivement des candidates, puisque là, il y a des candidats qui sont des nourrices, donc qui ont des enfants en bas âge, des bébés. Et pour ces personnes-là, on a toujours aménagé un espace qui permet donc de faire office de garderie, le temps de la composition qui dure donc autour de 3 heures, autour de 3 heures pour pouvoir récupérer après leurs enfants. Le tout est encadré par la gendarmerie nationale en termes sécuritaires. Anne-Désirée Ouloto a une fois de plus invité les candidats à ne compter sur personne, mais plutôt sur leurs compétences et sur Dieu.